Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais commencer par remercier la librairie Mola et le CHU de Bordeaux de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler ce soir de la question des addictions et de manière plus particulière donc des addictions aux écrans. Alors, l'intitulé de cette présentation, Addiction aux écrans, mythe ou réalité, fait écho aux nombreux débats et aux nombreuses controverses qui entourent finalement la question du risque addictif lié à l'utilisation aux écrans. Et de façon plus générale, fait écho à l'émergence de nombreuses préoccupations ces dernières années autour des risques pour la santé liés finalement à une telle utilisation. Et on peut dire que ce débat et ces questionnements ont été largement réactivés depuis 2018, suite à la reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé de l'existence d'un trouble du jeu vidéo, donc reconnaissant l'existence d'une addiction au jeu vidéo à part entière, et également dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons, que nous avons traversée, et pour laquelle nous savons qu'elle s'est associée à une très forte augmentation de l'utilisation des écrans, d'Internet et des outils numériques, finalement, dans leur ensemble. Alors, pour s'intéresser à la question de l'addiction aux écrans, tout d'abord, il est important de pouvoir intégrer cette problématique dans le contexte des très fortes évolutions de nos modes de vie, des mutations de nos sociétés, des mutations et de la très rapide évolution technologique, qui donc aboutit à une très forte omniprésence des écrans et des outils numériques dans notre quotidien, qui, comme on le voit sur cette diapositive, vont revêtir finalement des aspects très multiples, avec également de nombreuses fonctions liées à des outils de communication, de médias sociaux, de messagerie, d'accès à la culture, au divertissement ou aux jeux vidéo. Donc, on voit d'emblée que finalement, derrière le terme d'écran, se cache finalement une réalité très multiple, très hétérogène, avec une diversité de supports qui va de la tablette au smartphone, à l'écran d'ordinateur ou aux casques de réalité virtuelle, par exemple. Également une diversité de contenus, une diversité d'usages, et tout ceci dans le cadre d'une évolution extrêmement rapide sur le plan technologique. Et donc, il est important de rappeler que tout questionnement et toute recherche sur le plan médical et scientifique doit, et c'est important, pouvoir intégrer ce contexte d'évolution sociétale et également interroger cette question, finalement, à la lumière des crises que nous traversons. Et la pandémie en a été un exemple particulièrement marquant. Alors, afin d'illustrer l'omniprésence de ces écrans et de ces outils numériques dans notre quotidien, je vous propose juste quelques chiffres issus d'enquêtes nationales qui vont permettre d'illustrer cet aspect. Tout d'abord, on voit que parmi l'ensemble des supports, le smartphone occupe aujourd'hui une place particulièrement importante de ses usages. Et cette place, elle est particulièrement importante chez les adolescents qui, pour la majorité, vont bénéficier de cet équipement par smartphone. La durée moyenne passée devant des écrans, écrans d'ordinateur et écrans de télévision, est estimée actuellement en moyenne autour de 3 heures par jour chez les 3-17 ans. Mais on voit que la proportion des jeunes enfants ou des adolescents qui vont passer plus de 3 heures par jour sur ce type d'écran va augmenter en fonction des catégories d'âge pour atteindre jusqu'à 87% des garçons et 71% des filles dans la catégorie 15-17 ans. Alors, concernant les types d'écrans et leur usage, il existe aussi certaines particularités en fonction des tranches d'âge. Les plus jeunes vont avoir un usage préférentiel de la télévision ou des applications sur smartphone, alors que chez les adolescents, on va observer une utilisation plus multimodale avec une forte utilisation des réseaux sociaux, des messageries, des sites de musique, etc. Et en particulier, une utilisation particulièrement importante de certains sites web, notamment YouTube. Enfin, si on s'intéresse à l'utilisation plus spécifiquement d'Internet, on voit que le temps passé à utiliser Internet par semaine va être
particulièrement important, 6h10 estimées par semaine chez les 7-12 ans et 15h11 par semaine, selon une enquête Ipsos, chez les 13-19 ans. Et on observe surtout une tendance à la hausse de ces durées d'utilisation par rapport aux enquêtes des années antérieures. Alors, bien évidemment, on ne peut s'empêcher de réaborder ces chiffres d'utilisation des outils numériques à la lumière de la crise pandémique, qui, comme on le sait, s'est associée à une forte modification des habitudes, avec une distanciation sociale imposée et le confinement. Et tout ceci s'est associé à une augmentation très importante de l'utilisation des applications de messagerie et une augmentation du temps passé sur les écrans. Et on voit dans ces données de Santé publique France que on a assisté à une augmentation importante de la proportion de personnes qui passaient plus de 7 heures par jour sur leur temps libre devant les écrans. Et cette augmentation a été particulièrement importante chez les jeunes adultes, hein, donc dans la catégorie 18-24 ans. Alors, ces données ont également été rapportées au niveau européen et international, en particulier des études américaines et une étude italienne, qui plus particulièrement met en avant une augmentation claire de la fréquence d'utilisation des jeux en ligne, avec, comme vous le voyez sur la diapositive, une augmentation de 70 à 75% de ces jeux. Alors qu'il faut le rappeler, l'Organisation mondiale de la santé, parallèlement, faisait la promotion du gaming pour la gestion du stress et utiliser également ces outils numériques pour diffuser des messages de prévention. Donc, ainsi, dans ce contexte, on assiste finalement depuis plus de 10 ans à un foisonnement d'articles scientifiques qui s'interrogent sur les risques de la santé d'une utilisation excessive des écrans, avec de plus en plus d'articles sur les dernières années qui vont s'intéresser à l'évaluation de ces risques en fonction du type d'écran, avec l'idée que potentiellement il pourrait y avoir des effets spécifiques. Et ces interrogations, ces préoccupations ont également été, comme on le voit sur cette diapositive, avec nombreuses captures d'écran d'articles dans des journaux, ces préoccupations ont été largement relayées par les médias, avec une activation, bien sûr, au décours de la crise sanitaire, et toujours une vigilance et une inquiétude qui est particulièrement plus importante par rapport à l'exposition à ces écrans, donc chez les plus jeunes et chez les jeunes enfants. Alors, quand on s'intéresse finalement aux données de la littérature, on retrouve une corrélation entre le temps passé sur les écrans et des indices de moins bonne santé, tant sur le plan physique que sur le plan mental, avec en particulier plus de troubles du sommeil liés particulièrement à l'utilisation vespérale des écrans et des jeux, plus de sédentarité qui va s'associer à une augmentation du risque de troubles pondéraux, donc en particulier de surcharge pondérale et d'obésité, des troubles visuels, un impact potentiel sur le développement cognitif des plus jeunes, avec un impact sur les capacités de concentration et d'attention, et puis les risques de cyberharcèlement et le risque addictif dont nous allons plus particulièrement parler ce soir. Mais à côté, de façon parallèle à ces effets néfastes sur la santé, il est important de ne pas laisser dans l'ombre également tout un ensemble de dimensions positif de l'utilisation des écrans, avec une valeur de divertissement, d'évasion. Les écrans constituent également un outil pédagogique qui, chez les enfants, va également participer à l'éveil cognitif, et puis un outil de communication, de créativité, d'accès à la culture. Dans certaines situations, on utilise aussi les écrans comme de véritables outils thérapeutiques. Et le maintien du lien social, et on a pu voir pendant la période de confinement à quel point les outils numériques, Internet, ont été des aides extrêmement importantes finalement pour maintenir le lien social et lutter contre l'isolement. Alors, quand on s'interroge sur la question des effets néfastes sur la santé, il existe une question qui est particulièrement essentielle, c'est la question de l'âge.
Et comme on le voit sur cette diapositive, on sait que le développement cérébral est un processus qui est très long et qui va finalement s'écouler sur plusieurs années, depuis la naissance jusqu'au début de l'âge adulte. Et les premières années de vie, ainsi que la période de l'adolescence, sont des périodes qui sont marquées par une très forte maturation cérébrale, avec le développement de nombreuses connexions neuronales. Et ces aspects-là vont être particulièrement, finalement, sensibles à l'influence des facteurs environnementaux. Et on comprend bien que l'exposition, finalement, à des objets ou des produits potentiellement toxiques pendant cette période va avoir des risques globaux sur la santé qui vont être plus importants que chez les adultes. Ce qu'on peut dire sur les enfants vraiment les plus jeunes, c'est que finalement, plus qu'une toxicité directe de l'écran en lui-même sur la maturité cérébrale et sur le développement du cerveau, les effets néfastes que l'on peut observer, finalement, sont mieux expliqués par le fait qu'une exposition précoce aux écrans va se faire au détriment, va se substituer à l'ensemble des interactions précoces, des interactions relationnelles avec les adultes et les parents, au détriment des moments d'interaction ou des cours du jeu. Et tous ces éléments sont des besoins fondamentaux pour le bon développement psychomoteur, à savoir le développement de la psychomotricité fine, le développement du langage, le développement des aptitudes de communication et d'interaction, et le développement des capacités d'attention et de concentration. Alors, une question fondamentale, bien sûr, qui fait l'objet de la présentation de ce soir, c'est de savoir si finalement cette utilisation excessive des écrans dans leur ensemble peut donner lieu à un véritable comportement addictif. Alors, cette question doit être abordée avec un certain nombre de précautions, puisqu'on va le voir, l'addiction répond à des critères médicaux relativement précis et qu'il est important de ne pas utiliser de manière abusive. Donc, quand on parle d'addiction aux écrans, on se rend compte qu'il existe de nombreux termes qui sont utilisés. Et ces nombreux termes ont une importance car, finalement, ils vont conditionner l'angle sous lequel la conduite addictive va être abordée et comprise. Selon qu'on va plutôt aborder cette question sous l'angle d'une addiction à l'utilisation d'Internet, et à ce moment-là, on parlera de cyberaddiction plutôt, ou bien d'addiction aux écrans, indépendamment de leur contenu, donc au support finalement de l'outil numérique, à ce moment-là, on parle d'addiction aux écrans, ou bien plus spécifiquement au contenu finalement de ces outils, comme par exemple l'addiction aux jeux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de consensus sur l'existence d'une addiction aux écrans de façon générale, parce que nous ne disposons pas de suffisamment de recul et nous ne disposons pas de données scientifiques suffisantes, hormis pour la question de l'addiction du jeu vidéo. Et comme je vous le précisais en introduction, l'Organisation mondiale de la santé a effectivement, en 2018, sur la base de critères précis identifiés, pu valider et reconnaître l'existence donc d'un trouble du jeu vidéo comme finalement une addiction à part entière. Alors cette reconnaissance marque malgré tout une étape importante dans notre compréhension du phénomène addictif lié aux écrans, parce qu'il permet d'aborder cette question sous un angle addictologique. Et l'angle addictologique, ce n'est pas s'intéresser aux aspects toxiques de l'objet de l'addiction, mais c'est plutôt aborder la question des usages et des modalités d'usage avec l'idée que finalement, plus que l'écran en lui-même, c'est plutôt l'usage que nous allons en faire qui va poser problème, et cet usage va être fortement déterminé par un certain nombre de facteurs, aussi bien individuels que des facteurs sociaux et environnementaux. Et donc, avant de vous parler plus particulièrement de la question de l'addiction aux jeux vidéo, je vous propose de maintenant présenter succinctement le concept d'addiction. Et nous verrons ensuite comment ce concept va pouvoir s'appliquer à la question donc, des jeux vidéo. Alors, l'addiction est en effet
un concept qui est relativement récent, comme on le voit sur cette diapositive, introduit en 1990 par Aviel Goodman à travers un article dans le British Journal of Addiction. Et Goodman, dans cet article, postulait l'existence, finalement, de caractéristiques cliniques communes à l'ensemble de caractéristiques cliniques communes à tout un ensemble de comportements et basées sur des mécanismes, en particulier des mécanismes neurobiologiques communs. Donc cette approche permettait, ce qu'il propose, de regrouper finalement plusieurs entités cliniques dans une même entité sur la base de ces caractéristiques cliniques communes et en particulier les différentes addictions aux substances, également certains troubles alimentaires ou certains comportements comme en particulier les jeux d'hasard et d'argent. Alors, cette approche du concept d'addiction marquait une rupture importante dans les approches plus anciennes ou traditionnelles des phénomènes de dépendance dans leur ensemble, puisque jusque-là, les phénomènes de dépendance étaient considérés comme en lien direct avec les caractéristiques pharmacologiques et toxiques des différentes substances. Selon ces approches, finalement, le phénomène de dépendance découlait d'une exposition régulière à un produit toxique et ainsi la substance addictive toxique était l'agent causal principal des phénomènes de dépendance. Donc, de cette approche qui était centrée sur la substance découlaient des principes de prise en charge qui étaient donc centrés sur le principe de la cure de sevrage et de la cure de désintoxication, puisque le principe était de pouvoir mettre à distance l'individu de l'exposition à ce produit toxique. Et puis, finalement, l'avancée dans le domaine des neurosciences a permis de mettre en évidence des mécanismes, en particulier des mécanismes neurobiologiques communs à l'ensemble des comportements addictifs, indépendamment de l'objet de l'addiction, et finalement de considérer la question de l'addiction comme une véritable maladie, mais une maladie complexe avec une origine multifactorielle selon un modèle biopsychosocial. Donc une maladie complexe et une maladie qui donc présentait des caractéristiques cliniques communes, mais cette fois-ci des similitudes centrées sur le comportement et donc sur la modalité d'usage. Et selon cette approche, donc, il ne s'agissait pas finalement de savoir ce que la personne utilisait et les caractéristiques de l'objet d'addiction, mais bien plus comment elle l'utilisait, en distinguant différentes modalités d'usage, usage simple, sans addiction, versus addiction aux troubles de l'usage, dans les dernières classifications. Donc, le changement de terminologie et l'utilisation de la terminologie trouble de l'usage marquait également un tournant important dans la manière d'aborder et de prendre en charge les addictions, avec finalement une volonté à travers ce trouble, à travers ce terme, de déstigmatiser les comportements addictifs dans leur ensemble et de pouvoir soulager les représentations morales souvent associées aux addictions. Et également, cela soulignait la nécessité de développer des prises en charge plus efficaces, centrées sur la dimension compulsive du comportement, on reverra cette notion, et également basée finalement sur des données scientifiques objectives de manière comparable aux autres disciplines médicales. Alors maintenant, comment définir un comportement addictif? Un comportement addictif, une addiction peut être définie par la perte de contrôle de l'usage de substances, d'une substance ou d'un comportement, qui va être source de plaisir et de gratification et qui peut être aussi utilisé comme source d'apaisement ou de régulation des émotions négatives, avec le développement d'une dimension donc compulsive d'utilisation qui est sous-tendue
par une envie irrépressible d'utiliser l'objet de l'addiction, également désigné sous le terme anglo-saxon de craving. Ainsi, l'ensemble des comportements addictifs vont présenter des caractéristiques cliniques communes sur le plan comportemental, qui, comme on l'a dit, vont être caractérisés par la notion de perte de contrôle. Donc, dans l'addiction, le sujet va avoir tendance à utiliser l'objet de l'addiction de façon plus importante, plus intense ou plus fréquemment qu'il ne le souhaite, et avec une incapacité pour lui à réguler, moduler son comportement d'usage, voire réduire ou arrêter durablement. Cette perte de contrôle va donc s'exprimer à travers l'accumulation de nombreuses conséquences négatives dans la vie de la personne et au maintien du comportement d'usage en dépit de l'accumulation de ces dommages. Donc tout ceci va amener à l'existence de rechutes itératives qui constituent un symptôme clé du comportement addictif. Et ces rechutes, on le sait, vont être expliquées et prédites par ces épisodes de craving, d'envie incontrôlable d'utiliser l'objet de l'addiction, alors que le sujet tente en même temps d'essayer de réguler son comportement. Donc tous ces éléments vont expliquer également une évolution chronique de la maladie qui va être émaillée par des tentatives infructueuses de régulation et des rechutes. Alors, à côté de ces caractéristiques cliniques communes, les comportements addictifs partagent également des modalités d'évolution communes, avec en particulier un début à l'adolescence du trouble et une prévalence qui va être plus importante en début d'âge adulte. Cette diapositive reflète les résultats d'une cohorte américaine qui évalue la fréquence d'apparition des différents troubles psychiatriques, dont sur cette diapositive les comportements addictifs, et on voit qu'entre l'âge de 12 et 18 ans, la prévalence de l'addiction va être multipliée de manière considérable, quasiment par un facteur 6, et ce qui effectivement reflète que les comportements addictifs vont essentiellement se développer sur cette période, très sensible, avec finalement des cas d'addiction chez l'enfant qui vont être extrêmement rares. Et puis, comme on l'a déjà vu, une évolution chronique émaillée de rechutes, et on voit sur cette figure, l'évolution finalement des trajectoires de consommation avec une sorte de continuum initialement entre un usage dit normal, sans perte de contrôle, qui à un moment donné dans la trajectoire d'une personne va évoluer avec le développement d'une perte de contrôle et d'un comportement compulsif, puis différentes tentatives d'arrêt et de contrôle du comportement. Et effectivement, quand on accueille les patients et quand on s'occupe des patients, il est également très important de pouvoir retracer un petit peu l'histoire de ces trajectoires pour pouvoir proposer la prise en charge la plus adaptée au moment dans le parcours de consommation et pouvoir également identifier des facteurs de vulnérabilité pour le développement de ces comportements et pour leur maintien. Donc, on voit que les classifications contemporaines actuelles ont intégré totalement ces changements d'approche avec comme symptôme clé de l'addiction la notion de perte de craving et de perte de contrôle et de craving. Et de façon consécutive à cette dimension compulsive, à cet emballement du comportement, on va avoir un autre élément qui va être très important pour le repérage, c'est la notion de dommage, de retentissement fonctionnel du comportement dans différents domaines de la vie du sujet. En fait, cette surmotivation centrée sur l'objet de l'addiction et cette perte de contrôle vont avoir énormément d'impact et de retentissement dans la vie de la personne et donc avec une incapacité pour cette personne à réguler et tout ceci va se faire au détriment
des autres activités, et donc avec un retentissement social le plus souvent qui va être extrêmement important. Enfin, à côté de cette approche par catégorie, les dernières classifications introduisent également une approche dimensionnelle qui va donc prendre en compte la sévérité du comportement addictif et la sévérité clinique, et qui permet ainsi d'aborder finalement la modalité d'usage selon un continuum entre un usage simple et une addiction, avec des formes d'addiction qui vont être plus ou moins sévères, ce qui va permettre de proposer à la personne des prises en charge graduées, adaptées au niveau de sévérité finalement du comportement, depuis la simple intervention brève jusqu'à la véritable prise en charge médico- et psychosociale dans le cas d'addiction installée et d'addiction sévère. Alors, à côté de cette approche descriptive du comportement, comme on l'a vu, le modèle explicatif de l'addiction repose sur un modèle de maladie complexe multifactorielle. Et selon ce modèle, la seule exposition à l'objet de l'addiction ne va pas suffire au développement de la conduite, mais c'est bien l'interaction des propriétés addictives de l'objet de l'addiction et des facteurs de vulnérabilité à la fois individuels et des facteurs de vulnérabilité sociale. Donc on voit que la notion de vulnérabilité est une notion qui est intrinsèquement liée au concept d'addiction, et de ce fait, toutes les approches, qu'elles soient de prévention ou les approches finalement thérapeutiques, vont devoir prendre ces différentes dimensions de vulnérabilité dans leur ensemble. Donc on voit que sur le plan individuel, il y a une multitude finalement de facteurs de risque qui ont été identifiés, et en particulier des éléments liés au tempérament, à la personnalité, à l'impulsivité, mais également des troubles psychiatriques, et en particulier l'anxiété et la dépression. Alors si l'on s'intéresse aux propriétés addictives de l'objet, de la substance ou du comportement, en fait, tous les objets addictifs vont avoir en commun la capacité de produire une expérience de plaisir et une expérience euphorisante qu'on identifie sous le terme d'effet renforçant positif. Cet effet renforçant positif va être d'autant plus important que l'effet de plaisir va être intense, mais également que la rapidité d'obtention de l'effet va être très rapide. Et ces éléments vont participer à renforcer et structurer la répétition du comportement et en fait à accrocher l'usager. Et on sait que cet effet addictif des substances ou de certains comportements sont directement liés à leur capacité à activer certaines régions du système nerveux central, qu'on désigne sous le terme de système de récompense et qui sont impliqués dans l'expérience de plaisir et sa régulation. Donc, comme on le voit sur cette diapositive, les sujets qui souffrent de conduites addictives vont présenter tout un ensemble de perturbations fonctionnelles dans tout un ensemble de régions cérébrales qui ont un rôle très important dans la régulation de nombreux comportements, et en particulier la motivation, la mémoire, l'apprentissage, le contrôle inhibiteur et la récompense. Donc on voit bien à travers ces données qu'il existe bien, toutes ces données vont dans le sens de l'existence d'un socle de vulnérabilité commun à l'ensemble des comportements addictifs, et ces éléments finalement étayent le fait d'étendre finalement la notion d'addiction à d'autres comportements que les addictions avec substance, et en particulier donc le jeu vidéo. Alors, si l'on s'intéresse maintenant plus particulièrement à la question du jeu vidéo, vous voyez ici sur cette diapositive les critères de troubles du jeu vidéo tels qu'ils ont été définis par l'Organisation mondiale de la santé. Et on va tout de suite retrouver finalement les ingrédients de l'addiction.
Donc le trouble du jeu vidéo va désigner un comportement de jeu persistant ou récurrent sur au moins 12 mois, donc il y a une notion de durée, pouvant être en ligne, sur Internet ou hors ligne, et qui va se manifester donc par une perte de contrôle du jeu, par le fait d'accorder une priorité accrue au jeu dans la mesure où il prime sur les autres intérêts de la vie quotidienne, la poursuite ou l'escalade du jeu, malgré la connaissance de conséquences négatives sur la vie du sujet. Le comportement doit être d'une sévérité suffisante pour entraîner une altération significative dans différents domaines personnels, familiaux, sociaux, éducatifs, professionnels ou autres. Donc on voit à travers cette définition qu'on va retrouver cette notion de perte de contrôle, d'envie irrépressible de consommer, et ce qui va être très important pour le repérage et pour faire la distinction finalement entre un usage normal ou un usage excessif d'une véritable addiction, c'est la notion du retentissement global sur le fonctionnement de l'adolescent ou du jeune adulte, avec le fait de pouvoir identifier un aspect problématique de l'utilisation du jeu, avec en particulier des conséquences sociales, le retrait et l'abandon des autres activités et tout un ensemble de complications également et de conséquences sur le plan psychologique, par exemple, ou interpersonnel. Intéressons-nous maintenant sur les différents types de jeux vidéo. Donc, on se rend compte là aussi qu'il existe une très grande hétérogénéité des jeux vidéo, que ce soit en termes de nombre de joueurs, du caractère en ligne ou hors ligne, de l'âge des participants, des thématiques, de la temporalité, du support et du type de jeu. Et on sait par différentes études que finalement, tous ces jeux ne vont pas être caractérisés finalement par un pouvoir addictif, que le pouvoir addictif va se concentrer essentiellement sur certains types de jeux, et plus particulièrement ce qu'on appelle les MMORPG ou les FPS, mais dans une moindre manière. Donc, je vais vous présenter rapidement ces jeux, finalement, et leur structuration, de manière à pouvoir comprendre comment la boucle de renforcement peut opérer et comment ces jeux peuvent revêtir une certaine dimension addictive. Alors, les FPS désignent les jeux de tir à la première personne. Ce sont des jeux avec une vision très subjective, en 3D, et qui vont être essentiellement basés sur des jeux de tir avec la notion de recherche de sensations et de compétition qui vont être à ce moment-là plutôt le moteur de l'emballement du comportement. Mais plus souvent que les FPS, ce qu'on va retrouver dans les consultations à la demande et l'origine, l'objet à la demande de la prise en charge, ça va plus concerner les MMORPG qui désignent des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Ces jeux vont permettre à des milliers d'utilisateurs de pouvoir interagir de façon simultanée, donc en même temps, dans le monde du jeu virtuel et de constituer de façon parallèle une communauté de joueurs qui va également présenter des interactions dans le cadre d'une guilde. Alors, comment fonctionnent ces MMORPG en deux mots ? Le joueur va désigner un personnage auquel il va très très fortement identifier et pour lequel il va choisir des caractéristiques physiques, sociales, psychologiques. Et ce personnage va progresser tout au long du jeu, durant le scénario, avec l'acquisition progressive de pouvoirs, de nombreuses habiletés diverses et de pièces d'équipement qui vont renforcer au fur et à mesure sa progression dans le jeu. Ces jeux vont mobiliser une très forte implication du joueur dans le jeu et également dans le cadre des interactions sociales avec les autres joueurs. Et une caractéristique importante, c'est que ce sont des jeux persistants, c'est-à-dire qu'ils vont persister en ligne 24 heures sur 24. Alors ça, c'est un élément important parce que cela va participer chez certains joueurs au maintien finalement d'une préoccupation
permanente centrée sur le jeu et finalement petit à petit d'un envahissement psychique centré sur le jeu, puisque le joueur sait que lorsqu'il n'est pas connecté, le monde du jeu virtuel va continuer à progresser sans lui. De façon parallèle à ce monde et à ce jeu de rôle, va se structurer également une communauté de joueurs avec la guilde, qui est structurée sous la forme de relations privilégiées et hiérarchisées, et constituée pour le joueur un espace de socialisation extrêmement important, et qui, pour certains, finalement, va constituer un cadre communautaire avec des interactions très fortes, et un cadre rassurant, finalement, de relations sociales. Et pour certains usagers et pour certains adolescents, ils vont pouvoir finalement développer dans cet espace de socialisation virtuelle des habiletés ou une forte reconnaissance qui va être très gratifiante pour la personne et qu'ils n'auraient pas forcément eu dans le monde de la vraie vie où ces joueurs peuvent parfois avoir des problématiques anxieuses, d'inhibition et des problématiques phobiques. Donc, on voit finalement que la structuration même du jeu va être finalement organisée et basée sur tout un ensemble de sources de plaisir et de gratification. On a vu la reconnaissance à travers cet espace de socialisation et le fait de pouvoir avoir aussi des espaces où la personne va être renarcissisée, va prendre confiance en elle. Et cet espace virtuel va également permettre de s'évader de difficultés du monde réel et constituer, à un moment donné de la vie d'une personne, des stratégies de régulation des émotions négatives et, on l'a vu, un outil aussi de dépassement de l'isolement et de la solitude. Et puis la progression même du jeu va être basée sur tout un système de gratification avec le fait d'effectuer des tâches tout au long de la progression du scénario avec des récompenses sans délai. Et là, on retrouve la notion de rapidité d'obtention de la gratification de la récompense qui vont permettre aux joueurs de progresser finalement tout au long du jeu avec une construction qui incite à enchaîner les parties. On a également parlé de la valorisation dans les interactions sociales. Et enfin, il y a un autre élément et un autre phénomène qui est apparu il y a quelques années, qui est que les concepteurs de jeux vidéo ont introduit dans les jeux en ligne des systèmes de boîtes à butins ou de loot box, dont le principe est très fortement ressemblant et similaire au jeu des arrêts d'argent, c'est-à-dire qu'avec ces boîtes à butins, l'usager et le joueur va pouvoir acheter en ligne et jouer pour obtenir une récompense, mais ces gains ou ces récompenses vont être distribués de manière aléatoire et totalement basée sur le hasard, de façon totalement comparable au jeu d'hasard et d'argent. Et s'il gagne, la récompense qu'il a dans cette boîte à butins va lui permettre de progresser de façon plus efficace au cours du jeu et de lui finalement procurer des avantages par rapport aux autres joueurs. Donc on voit que cette introduction au sein du jeu vidéo de principes qui sont apparentés au jeu de hasard et d'argent vont également participer à renforcer finalement la dimension addictive de ces jeux. Quand on s'intéresse aux données épidémiologiques, finalement, il existe une très très grande variation de prévalence en fonction des populations et des pays. On estime globalement une prévalence qui serait autour de 1 à 3% en population générale de troubles du jeu vidéo. Des enquêtes en France estimeraient que 3 à 5% des adolescents présenteraient une problématique, un usage problématique du jeu, mais ce sont des données qui vraiment nécessitent des recherches supplémentaires et de la recherche clinique pour vraiment mieux apprécier l'ampleur du phénomène et les profils cliniques également de ces joueurs. Alors justement, quand on s'intéresse au profil clinique, les données permettent d'identifier certains facteurs associés qui pourraient ainsi constituer des facteurs de vulnérabilité pour des vulnérabilités individuelles environnementales pour le développement
d'une addiction aux jeux vidéo. Parmi ces facteurs, on retrouve les MMORPG qui sont plus souvent associés à l'addiction, le fait d'être un garçon, des facteurs environnementaux à type d'isolement social, de statut socio-économique plus faible, et puis de façon très associée, on va retrouver des difficultés intrafamiliales, des conflits avec un faible support parental et souvent un absentéisme un peu parental. Et sur le plan plus psychopathologique, plus d'anxiété, de dépression, une moins bonne estime de soi et des difficultés, notamment de régulation émotionnelle. Alors, des travaux récents d'une équipe finlandaise vont plutôt dans le sens, finalement, de cette hypothèse de facteurs de vulnérabilité. Dans cette étude, les auteurs ont suivi et évalué sur une période de 3 ans un échantillon de 1750 adolescents finlandais âgés entre 16 et 19 ans. Et l'objectif de cette étude était de pouvoir identifier finalement des facteurs individuels ou environnementaux qui pouvaient prédire le développement d'une addiction aux jeux vidéo. Et ces données ont montré, là encore, que la dépression, le sexe masculin, la négligence parentale et l'isolement et la solitude allaient s'associer et prédire l'utilisation problématique d'Internet. Alors, dans l'étude, c'était jeux et utilisation des médias sociaux, et qu'une fois structurée, cette utilisation problématique allait, dans un second temps, avoir un retentissement donc à nouveau global sur l'adolescent avec une aggravation de la dépression et plus d'échecs scolaires. Et enfin, je vais passer plus rapidement, mais on va retrouver également chez les joueurs problématiques de jeux vidéo sur le plan neurobiologique un certain nombre de perturbations fonctionnelles qui sont totalement similaires à ce qu'on connaît dans les autres formes d'addiction et donc qui vont impacter le contrôle cognitif, le renforcement, la récompense et la prise de décision. Voilà, donc ces différents éléments, finalement, étayent finalement la notion d'addiction appliquée aux jeux vidéo. Cela va permettre finalement d'envisager, là encore, le trouble de l'usage dans un continuum allant de l'usage à la perte de contrôle, et ce qui nous permet finalement d'identifier un certain nombre de repères pour faire la distinction entre un usage qui serait normal, voire excessif, donc d'une véritable addiction. Alors, sur la base de ces éléments, on peut identifier quelques signes d'appel pour un meilleur repérage. Il va s'agir donc d'adolescents ou de jeunes adultes qui vont donc présenter une perte de contrôle de la pratique de jeu. Cela va finalement s'exprimer par le fait de jouer plus longtemps que prévu, de ne pouvoir s'empêcher de jouer dans certaines situations, ou parfois des réactions de colère, de frustration, d'irritabilité en cas de non-possibilité d'accès au jeu. L'autre élément important, c'est que cette perte de contrôle va avoir un retentissement important et va s'associer à une perte d'intérêt pour les autres activités et progressivement un retrait et finalement un retrait social avec une diminution des interactions sociales. Et on voit finalement que plus que le temps passé devant l'écran, plus que le temps passé devant la pratique de jeu, ce sont vraiment ces caractéristiques comportementales et cette notion de retentissement qui va vraiment nous aider à faire la part des choses et à pouvoir distinguer l'usage normal d'un usage donc plus problématique. Et donc, dans le cadre du retentissement, on peut avoir un retentissement effectivement psychologique, anxiété, irritabilité, symptômes dépressifs, et puis très souvent, et ce qui est le signe d'appel souvent le plus fréquent, c'est le retentissement social et familial qui va être particulièrement important sous la forme de conflits avec les parents en lien avec la pratique de jeu, le fait d'avoir un fléchissement scolaire ou un fléchissement sur le plan professionnel, difficultés professionnelles ou universitaires. Et puis, il ne faut pas oublier
tout un ensemble de retentissements sur des symptômes physiques ou somatiques, avec une déstructuration et un trouble des rythmes fondamentaux qui vont toucher à la fois le sommeil, le repas ou l'hygiène. Sur le plan alimentaire, hein, cela va s'associer à une déstructuration des rythmes alimentaires, soit vers une sous-alimentation avec un certain nombre de carences, finalement par désintérêt du jeûne par rapport à l'alimentation, ou bien une alimentation plus anarchique, compulsive, d'aliments plutôt gras et salés et rapides autour de la prise alimentaire, et donc qui vont plutôt s'associer à des problèmes de surpoids. Et puis voilà, tout un ensemble de symptômes, anémie ou carence en vitamine D par isolement et enfermement, troubles de la vue, céphalée ou par exemple troubles également musculo-squelettiques. Pour finir sur ces aspects un petit peu généraux, tout ceci va nous permettre d'avoir un certain nombre de pistes et de recommandations pour la préconisation d'un bon usage des écrans et essayer de prévenir le risque addictif. Donc ce qu'on peut retenir finalement, c'est que l'usage du jeu vidéo, dans la majorité des cas, va être non problématique et il peut parfois être lié à un comportement adaptatif sur des périodes transitoires en réponse à des situations de crise, mais qui sont souvent non associées à une perte de contrôle. Et donc le développement du comportement addictif va être très très fortement associé donc à des facteurs environnementaux, familiaux et des vulnérabilités individuelles, donc sur le modèle de finalement maladies complexes et multifactorielles. Et donc finalement, plus qu'une interdiction ou qu'une restriction de l'accès, hormis vraiment chez les tout petits enfants, l'enjeu va être finalement plus d'apprendre l'adolescent à réguler l'usage du numérique dans un contexte d'omniprésence de ces outils, en prenant en compte les risques pour la santé, dont le risque addictif, et finalement ce dont des approches très pragmatiques et de façon comparable à ce qu'on connaît, par exemple, pour les substances addictives ou l'alimentation. Donc il va être important de pouvoir diffuser des messages d'information, de sensibilisation et de prévention sur la notion de risque lié à cet usage. Mais quand on parle de prévention et de connaissance des risques, il est très important de ne pas non plus tomber dans la caricature, finalement, de l'écran qui serait totalement toxique. Et il est important aussi de rappeler les aspects plus positifs de l'usage numérique et, comme on l'a vu, qui peut correspondre à un maintien du lien social, à des outils d'adaptation au confinement, des stratégies transitoires de régulation des émotions, un espace de jeu et d'évasion, un outil d'apprentissage également et de communication. Parallèlement à ça, donc, il est important de pouvoir développer une culture éducative autour du numérique et on voit à quel point finalement la place des parents et des enseignants et du système éducatif va être particulièrement important en mettant en place des règles d'utilisation à domicile avec une limitation du temps passé sur Internet et sur l'activité de jeu, une limitation qui va être adaptée à l'âge de l'enfant et de l'adolescent. Donc de pouvoir vraiment poser un cadre clair autour des limites à ne pas dépasser. Et les parents peuvent également s'aider de la norme PEGI qui va permettre de guider sur les normes d'âge et de contenu et qui vont permettre d'aider finalement les parents par rapport à l'accès ou non à certains jeux vidéo. Alors on peut s'aider, comme on le voit sur cette diapositive, de la règle des 3, 6, 9, 12 à destination des parents qui a été énoncée par le psychiatre Serge Tisseron et qui a l'intérêt de pouvoir donner aux parents des repères. Si on veut un peu synthétiser ces recommandations, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, avant 3 ans, pour les raisons que l'on a déjà évoquées, il faut éviter les écrans, et en particulier les écrans non interactifs. Et puis, à partir de 6 ans, il faut accompagner le temps d'écran, ne pas laisser finalement d'écran dans la chambre des enfants et laisser les écrans dans les espaces de vie communes et collectifs, et de fixer des limites d'utilisation des écrans
en privilégiant toujours l'accompagnement par les adultes. Puis, il est conseillé de pouvoir commencer assez rapidement, dès 9 ans, à initier l'enfant aux risques liés à l'utilisation d'Internet, pour petit à petit, après 12 ans, laisser l'enfant naviguer sur le web, à condition qu'il ait bien intégré les risques, et surtout sous couvert de règles et de cadres qui va limiter la durée d'exposition, avec une vigilance particulière sur l'utilisation vespérale et nocturne, et sur l'impact de ces utilisations sur le sommeil, et également sur, avec un risque associé de fléchissement scolaire. Enfin, il va être important de parler des jeux, c'est-à-dire de s'intéresser aux pratiques, ce qui sera beaucoup plus utile finalement que de banaliser ou dramatiser, et puis repérer des signes d'appel et favoriser un accès précoce aux soins, et surtout, un message important est de ne pas hésiter de solliciter un avis, voire un avis spécialisé si nécessaire, parce que l'enjeu, lorsque émergent des comportements problématiques, c'est de pouvoir faciliter le plus rapidement possible l'accès aux soins pour éviter la survenue de complications et finalement la survenue de formes plus sévères avec un risque à ce moment-là de chronicisation. Rapidement, pour finir sur la question de la prévention, on a vu que l'environnement était un élément très important en termes de vulnérabilité pour le développement des addictions. Mais quand on parle de prévention, il est également important de pouvoir s'intéresser aux facteurs protecteurs qui peuvent également venir contrebalancer des facteurs de vulnérabilité. Et je voulais vous présenter les résultats très intéressants d'une équipe du CNRS de Poitiers qui s'est intéressée au rôle de l'environnement enrichi chez les rongeurs, donc chez l'animal, comparativement à un environnement appauvri par rapport au risque de développer une addiction. Et donc ce que montrent ces travaux, c'est que les rats qui vont évoluer dans un environnement enrichi, c'est-à-dire qui vont évoluer dans un environnement qui va être riche, diversifié, stimulant avec des sources d'intérêts multiples, des stimulations et des interactions sociales, ces rats, comparativement à ceux qui vont évoluer vers un environnement plus pauvre, vont être beaucoup moins sensibles que les autres aux effets appétitifs et addictifs des drogues, donc émettant l'hypothèse qu'effectivement cet environnement enrichi avec les interactions et les stimulations, en diversifiant finalement les sources de gratification, vont être plutôt des effets protecteurs, c'est-à-dire que ces rongeurs vont être moins sensibles et moins réceptifs aux propriétés addictives des drogues. Enfin, concernant les principes de prise en charge chez les sujets qui souffrent d'addiction, on va développer une approche graduée, multifocale, adaptée à la sévérité de la problématique. Et finalement, ces principes de prise en charge sont très proches et comparables à ce qu'on met en place dans les autres formes d'addiction. Donc, il est important de pouvoir définir avec l'adolescent ou le jeune adulte les objectifs du soin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt total du comportement problématique n'est pas toujours un objectif en soi. On va plutôt essayer souvent de travailler, avant de chercher à obtenir un arrêt total, de travailler sur des stratégies de régulation de l'usage, des stratégies de contrôle justement de ces expériences de craving, des stratégies de régulation du craving, sur la base de psychothérapies donc, qui vont être ciblées sur ces aspects. Et bien sûr, ces approches vont s'intégrer dans une prise en charge globale qui vont intégrer les facteurs de vulnérabilité, qu'ils soient individuels et environnementaux. De façon associée, on va également prendre en charge les complications liées à la conduite en cherchant à stimuler le plus possible la reprise d'autres activités et la reprise du lien social, et en y intégrant également un travail motivationnel et un travail avec l'entourage. Là encore, un enjeu important, ça va être
la précocité de l'accès finalement à un avis, à une évaluation initiale et à une prise en charge spécialisée. Donc, dans le cadre de cette prise en charge globale, on va favoriser également les approches pluridisciplinaires qui vont intégrer les psychiatres, les psychologues, les éducateurs généralistes ou les addictologues. Et surtout, il est nécessaire de pouvoir, comme je le disais, demander un avis ou une prise en charge spécialisée. Et il existe pour cela un certain nombre de, finalement, d'espaces dédiés. Donc, en premier lieu, il faut citer les consultations jeunes consommateurs. Donc, à Bordeaux, c'est la structure Canabu. La structure Canabu, elle vise à accueillir des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont une problématique potentielle de conduite addictive, et elle a aussi la possibilité d'accueillir les parents pour donner des informations, de sensibilisation, donner des conseils. Et ces consultations jeunes consommateurs sont directement rattachées à des centres de soins et de prévention en addictologie, l'EXAPA, dont celui du centre hospitalier Charles Perrins, qui est rattaché donc au pôle interétablissement d'addictologie. Et puis, il existe également des centres médico-psychologiques pour adultes ou pour enfants, donc CMP, CMPP, et également les maisons des adolescents et, bien sûr, donc les services donc spécialisés dont on a parlé, avec les centres d'accompagnement, des consultations hospitalières, donc qui existent en particulier sur le site de Charles Perrins et du CHU. Voilà, pour conclure cette présentation, on a vu que les conséquences pour la santé d'une surexposition aux écrans sont à considérer dans une approche globale multifactorielle. Globalement, les problématiques d'addiction aux jeux vidéo vont concerner malgré tout une minorité de joueurs, mais il est important de pouvoir repérer plus précocement possible des signes d'appel et de ne pas hésiter à demander un avis spécialisé. Et finalement, face à la dramatisation ou la banalisation, il est important finalement de s'intéresser vraiment aux pratiques de l'adolescent et d'aborder finalement une approche très pratique sur cette utilisation du numérique qui va finalement chercher à faire connaître les risques de ces usages et à pouvoir donner finalement aux plus jeunes des outils qui vont lui permettre de mieux réguler cet usage du numérique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.